à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est Ne résiste pas à Dieu. Et aujourd'hui, c'est Michael qui va nous apporter la pensée du jour. Et nous terminerons comme chaque vendredi avec la rubrique C'est mon histoire, dans laquelle j'ai reçu le pasteur Dorothée Raja qui nous a raconté le chemin qu'elle a parcouru pour devenir prédicatrice. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde Bonjour, Bonjour Evelyne Lina. Vous allez bien aujourd'hui Oui Merci. Vous êtes en forme Ça va. Super, vous avez une tendance à résister aujourd'hui ou à vous laisser aller je pense pas. Je pense pas. <laughs> Aujourd'hui, on va parler de ne pas résister à Dieu. Et parfois, quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous parle, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est de résister parce que euh, on a peur ou pour différentes raisons, sans pas qualifier, etc. Donc, on va en parler tout de suite dans la pensée du jour. <coughs> Le titre de ta pensée, chérie, est Ne résiste pas à l'appel, mais prépare-toi. Oui, aujourd'hui, on va parler de ne pas résister à l'appel de Dieu. Et souvent, lorsque Dieu nous appelle, on a tendance à, à, à dire, mais Seigneur, tu m'as appelé, mais ça fait des années que je ne suis pas rentré dans l'appel de Dieu, qu'est-ce que je peux faire Et je crois que l'une des réponses que Dieu donne aujourd'hui, c'est Prépare-toi, commence à te préparer. L'une des bonnes choses que l'on peut faire, que vous pouvez faire lorsque Dieu vous a appelé, c'est de commencer simplement à vous préparer. Parce que pour Dieu, la préparation est vraiment importante. Commencer à se préparer avec sérieux est la première et la meilleure des réponses que vous pouvez donner à Dieu par rapport à l'appel qu'il vous a donné. Choisir de ne rien faire, de ne pas se préparer, finalement, c'est résister à l'appel de Dieu. Pourquoi Parce qu'aux yeux de Dieu, nous sommes comme des vases. Et si le vase n'est pas prêt, si le vase n'est pas apte, Dieu ne déversera pas la pleine onction qu'il doit déverser dans nos vies, dans les vases qu'on est, pour pouvoir nous rendre capables d'accomplir le ministère auquel il nous a appelés. Parce que Dieu sait que si on n'est pas prêt, on va se casser la figure. Et Dieu est sage. Dites-moi, quel étudiant euh, va se présenter à un examen sans avoir révisé avant s'être préparé Ou quel sportif va se présenter à son match sans s'être préparé C'est voué à l'échec. Quel serviteur de Dieu Dieu introduira pleinement dans le ministère qu'il a confié, l'enverra au front face aux puissances démoniaques, face à la dureté des hommes, face à l'adversité, s'il n'est pas prêt à tous égards. Donc l'homme de Dieu doit prendre au sérieux la préparation. La préparation est déterminante. Et plus ce à quoi Dieu vous appelle est grand, plus votre temps de formation doit être intensif. Et entre le moment où Dieu vous appelle et le moment où Dieu va vous introduire dans le ministère auquel il vous a appelé, il y aura un, une période plus ou moins longue au, qui, aux yeux de Dieu, est un temps de formation. Et si nous ne réalisons pas que ce temps est un temps de formation dans lequel on doit bien gérer notre temps pour l'utiliser, pour se préparer, pour grandir en stature, en grâce, en sagesse, comme le Seigneur Jésus, bah, finalement, on va tourner en rond et jamais on ne rentrera dans notre appel. Deux choses vont se produire. Un, on sera frustré et on va dire à, à tout le monde, je suis dans un désert, je suis dans un désert, je suis frustré. Au lieu de considérer que ce n'est pas un désert, c'est un temps de formation mmh. par lequel Dieu me fait passer. Et comme je vous l'ai dit, on tournera en rond et certainement on mourra sans rentrer dans le ministère auquel Dieu nous a appelés parce qu'on n'aura jamais été prêt. Pour David, le roi David, il a eu euh, sept ans de formation. Sept ans euh, entre le moment où Dieu l'a oint avec le prophète Samuel et le moment où il est devenu roi d'Israël, il y a eu sept ans. Sept ans où il a appris. À persévérer face à l'adversité, à se confier en Dieu, mais c'est temps aussi où il a, a appris à gérer euh, une armée et à diriger des hommes, des vaillants hommes qui sont venus par centaines dans la caverne sous son leadership, avant de diriger toute une nation. Joseph, 14 années, 13 années euh, entre la vision qu'il a eue de Dieu et le moment où il est devenu à, à la tête chef de l'Égypte, euh, 13 années où il a appris à, à persévérer et à gérer. Euh, la grande propriété de Potiphar et a, géré, il a développé son don de gérance dans la grande prison qu'il a gérée avant de gérer tout le pays d'Égypte. Etc. Je pourrais vous parler de Paul, 14 ans entre le moment où Dieu l'appelle sur le chemin de Damas et le moment où il est envoyé en tant que grand missionnaire pour ses premiers voyages missionnaires. Il a appris, il a fait des choses entre-temps. Jésus, 3, 3 ans, euh, 30 ans et les, les disciples, 3 ans, etc. Bon, je vous passe les, les détails. Ce temps de formation est vraiment essentiel. Et le ministère est une chose très sérieuse aux yeux de Dieu. Et Dieu veut que l'on considère avec sérieux en s'y préparant. Euh, le Saint-Esprit voudrait vous encourager aujourd'hui à être comme Jésus. Très tôt, Jésus avait compris ce à quoi Dieu l'appelait et il a pris cela avec, très, avec sérieux. Et comment il l'a pris avec sérieux Il s'est préparé. Dès l'âge de 12 ans, ses parents le cherchaient il était dans le temple et il a dit à ses parents Mais pourquoi me cherchez-vous Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père Et qu'est-ce que faisait Jésus Jésus était en train d'interroger pendant trois jours les scribes, les pharisiens, leur posant des questions sur la loi pour avoir des révélations, une pleine compréhension des Saintes Écritures pour comprendre les choses par rapport au ministère. Et en faisant ça, il se préparait. Quelques versets plus loin, trois versets plus loin, il est écrit dans Luc au chapitre 2, verset 52, Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. J'aimerais vous poser cette question aujourd'hui. Ces deux dernières années, avez-vous grandi Avez-vous pris de la stature, de la grâce, de la, de, de la sagesse devant Dieu et devant les hommes Ou avez-vous stagné N'avez-vous pas évolué Si c'est le cas, je vous encourage aujourd'hui, préparez-vous intensivement afin d'être prêt, afin que cette formation soit la plus courte possible, afin que vous soyez revêtu le plus tôt possible pour accomplir ce ministère. Et pour finir, j'aimerais vous parler de la méthode stage. On serait tenté à croire que la préparation, la meilleure des préparations, ce serait de se tenir à l'écart dans le désert, loin des hommes, seul avec la Bible, seul dans la prière. C'est faux, archi faux. C'est la moins bonne des méthodes. La meilleure des méthodes, c'est la méthode stage. On apprend la théorie et on apprend la pratique au contact des hommes. Et c'est cette méthode que le Seigneur Jésus a utilisée. Il a pris ses disciples en stage. Le stage, c'est quoi Le maître montre, premièrement, on écoute l'enseignement du maître. Deuxièmement, on observe comment le maître fait de manière pratique. Troisièmement, on met en pratique en faisant exactement comme le maître. Et c'est ce que Jésus faisait. Il apprenait à ses disciples comment guérir les malades il les enseignait, chassait les démons. Puis, il leur montrait comment on guérit. Comment on chasse les démons, puis après, il les envoyait dans les maisons, chasser les démons, et après, il faisait le bilan. Voilà, ça c'est pas bien, ça c'est bien, etc. Donc, c'est comme ça qu'ils ont appris intensément, et voilà. Et il faut pas s'isoler, il faut vraiment euh, la théorie, l'enseignement et la pratique, il faut pratiquer. L'apôtre Paul, pour finir, lui aussi a pris son fils spirituel Timothée en stage et pour le préparer à être le futur grand pasteur et grand enseignant qu'il voulait qu'il soit. Et il dit dans 1 Timothée au chapitre 4, 13, il lui donne ce conseil, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains dans l'Assemblée des Anciens, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Pour finir, j'aimerais vous challenger avec cette belle citation du pasteur Rom Thompson. Aujourd'hui, quelque part, il y a une personne qui se prépare pour aller en soirée, pendant qu'une autre prépare une œuvre grandiose. Aujourd'hui, c'est à toi de choisir. Amen. Amen. Merci pour cette pensée. Et oui, c'est à nous de choisir. Quand Dieu nous parle, quand l'appel de Dieu vient sur nous, alors euh, <coughs> on a déjà vu dans, dans différentes émissions que Dieu peut nous appeler de différentes façons. On avait fait une émission sur comment savoir si on a été appelé et vous <coughs> pouvez euh, l'écouter à la maison. Mais euh, donc Dieu nous parle, on est certain, on a reçu un appel. Ouais. Là on est face à deux choix. On peut dire oui ou on peut dire non. Et puis, entre les deux, il y a cette étape où on résiste, en fait. On ne dit pas oui, on ne dit pas non, on essaye de négocier un petit peu avec Dieu on essaye de gagner du temps parce qu'en fait, on se sent pas prêt, ça nous stresse, ça nous panique. Et puis, on est dans cette phase de tirament. Mmh. Et certaines personnes, ça va prendre quelques jours, d'autres, ça va prendre quelques mois, mais d'autres, ça va prendre même des années au point où ça va prendre même une vie entière de résister avec l'appel de Dieu. Et c'est ce qu'on veut éviter aujourd'hui avec une telle émission, c'est permettre aux gens qui nous écoutent de ne pas perdre ce temps. Ce temps où on résiste avec Dieu, c'est juste épuisant et puis on va être frustré, on va être, être insatisfait, et puis on, on va passer complètement à côté de ce à quoi Dieu nous a appelé. Ou on peut dire oui, comme tu l'as dit, euh, dans ta pensée, et puis décider à partir de ce moment-là de se préparer. Le verset du jour aujourd'hui est dans Acte 9, 5, un verset qu'on connaît beaucoup, mais peut-être qu'on ne le comprend pas toujours bien. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. C'est Jésus qui a dit ça à Paul, parce que justement, euh, Paul avait cette tendance à, à résister, en fait, il ne comprenait pas exactement, il croyait qu'il servait Dieu dans ce qu'il faisait, alors qu'il était en train de faire tout, tout l'inverse, il était en train de persécuter le Seigneur Jésus. Et le mot regimber, si vous voulez aller chercher dans le dictionnaire, vous allez voir que ça veut dire résister en refusant. C'est ça, regimbé. En gros, ce sera difficile de me résister. Et puis les aiguillons, c'était une pièce métallique dirigée, qu'on servait pour euh, diriger les bœufs ou d'autres bétails. En gros, c'était comme si le Seigneur nous pique. Pour nous faire avancer, nous dit allez, vas-y, rentre dans ton appel, go, go, go. Et puis nous, on essaye de résister, mais en fait, le Seigneur disait, il te serait difficile. Ça te parle, cette illustration, Frank Je vois ton petit sourire. <rire> <rire> je peux t'imaginer, Evelyne, qui te parlait pour ouais. bonjour chez vous. Hein. Ah ouais, <laughs> il, il m'a bien piqué. <rire> <ouais>. <rire> moi, je, moi, je pensais que l'aiguillon, c'était une femme. <rire> <rire> Parfois, je suis ton aiguillon. Ouais, je, je viens suis... de comprendre. Merci, en fait. Remercie-moi. <laughs> pas l'émission, elle servait à quelque chose. Euh, hey, Alléluia, on peut la terminer. Oui, c'est une très belle image, très puissant. Et puis, ben, premièrement, Mika, comme tu as dit par rapport au ministère, juste le fait d'être ben, appelé au ministère, parce que c'est pas tout le monde qui l'est. Mm -hmm. Et puis, juste ça, c'est tellement une grâce, c'est un privilège. Il faut prendre ça au sérieux. Et puis. Euh, Aussitôt qu'hier soir, je parlais avec un jeune dans la vingtaine qui m'a approché, qui m'a dit, ben, je sens vraiment que Dieu m'appelle à faire des choses. Comment je fais justement Et ça, c'est la question que tout le monde se pose. Comment je fais Et puis, pour ma part... Dieu m'a parlé à plusieurs reprises dans ma vie. Il y a des fois où est-ce que j'ai résisté un mois, deux mois, trois mois parce qu'il veut que tu fasses quelque chose et ta chair n'a pas envie mm -hmm. ou ça, ça t'intéresse pas ou quoi que ce soit. Mais oui, c'est vrai, ça va être dur de réjouir contre Dieu parce qu'il ne va pas nous lâcher. Il nous appelle à quelque chose. Et il veut qu'on fasse ces choses-là parce que c'est glorieux. Et puis moi, tout, tout simplement, qu'est-ce que je peux dire aux gens à la maison euh, ben, prier et lire ta Bible, ça n'est même pas à cause que tu es appelé au ministère que tu dois le faire. Tu dois le faire parce que tu aimes Dieu, et tu veux grandir. Mais d'autant plus important si tu veux vraiment servir Dieu dans le ministère, tu peux t'inscrire à une bonne école biblique. Tu peux commencer par des choses naturelles qui sont simples, qui ne sont pas forcément spirituelles. Tu peux peut-être te voir des gens en train de prêcher, mais ce n'est pas le temps encore peut-être de prêcher devant des foules. Tu peux te voir en train de chanter ou faire d'autres choses. C'est peut-être juste pas le temps. Mais commence à faire des choses et qu'est-ce que tu t'as dit, Mika C'est super important, c'est d'avoir quelqu'un qui peut nous diriger, des personnes qui sont plus loin, plus avancées mm -hmm. que nous dans le ministère, qui vont pouvoir nous conseiller, qui vont pouvoir, comme j'ai dit, diriger nos pas, dire ben ça, fais ça comme ça, qui vont pouvoir nous enseigner. C'est tellement important et pour les gens qui sont à la maison qui se disent mais comment je fais Comment est-ce que je peux commencer Juste le fait d'aller voir peut-être ton pasteur et de lui dire mon pasteur je chante l'appel sur ma vie déjà là tu as commencé à faire mm -hmm. quelque chose tu as, as arrêté de résister et tu as commencé ça commence par, par ça tout ouais. simplement et puis, il faut y aller. Et puis, une étape après l'autre, les choses vont se mettre en place. Et puis, Dieu, comme on l'a tellement souvent dit, il nous révèle les choses pas à pas. Mm -hmm. Il va nous montrer. Tu as fait un premier pas, OK, là, fais ça. Et là, il va te parler. Et tu vas voir les choses se dérouler. Et mm -hmm. puis, ça, ça se fait naturellement comme ça. Ouais. Au début, ça a l'air pire que c'est, mais c'est très agréable. <laughs> puis, on voit Dieu agir vraiment. Amen. Moi, une chose que, qui fait aussi que les gens résistent, c'est parce qu'ils euh, manquent d'opportunités. C'est parce qu'ils croient que quand Dieu les appelle, automatiquement, le lendemain, il y aura une... Euh, je ne sais pas, moi, un, euh, on va te, te donner la prédication mm -hmm. ou la, la concrétisation ouais. va se faire rapidement. Et des fois, la préparation, justement, c'est ce temps où est-ce que vaut mieux... Être préparé lorsque l'opportunité arrive, que d'avoir beaucoup d'opportunités qui viennent devant nous et on n'est pas préparé. Ouais. Et des fois, des gens vont résister justement à l'appel de Dieu parce qu'ils se disent Mais Dieu m'a appelé à servir dans la prédication, mais dans mon église, je suis au ménage par exemple. Je ne suis pas dans un département où est-ce que je suis en train d'exercer ou de pratiquer ce pour, le quoi, euh, ce pour lequel Dieu m'a appelé. Ouais. Ou des fois même, ils sont dans l'église, de leur appeler, ils sentent qu'ils ont, ils ont un ministère de chant par exemple, mais bizarrement, le, le conducteur de, ta, de ton groupe de louange ne te met jamais à l'avant et là tu, tu focuses là-dessus pour dire ben, tu rentres en guerre un peu pour dire ben, quand je serai mis de l'avant, c'est là que je vais pratiquer mon don, or pratique ton don des fois c'est même l'aveuglement le, le, des gens autour de toi qui ne reconnaissent pas ça, c'est aussi le Seigneur qui permet pour que tu n'ailles pas plus vite que euh, le temps, que justement les choses que tu dois, tu dois euh, maîtriser, parce que une fois qu'on arrive devant mais bah on ne peut plus reculer en arrière. Ouais, c'est déjà là, c'est comme, euh, c'est go, il faut y aller, il faut le faire. Alors, vaut mieux prendre le temps de le faire parce que nous-mêmes, nous aurons toujours tendance à aller plus vite. Mm -hmm. Mais c'est le Seigneur qui sait. Et les temps de préparation, justement, c'est là qu'il forge des choses en toi que tu ne savais même pas, que dans lesquelles tu devais travailler parce que la vision globale, elle est là, mais le Seigneur y voit aussi dans les détails et il nous permet de travailler là-dessus, justement. Mm -hmm. C'est vrai. Donc, quand j'entends cette pensée et que je lis le, le verset du jour, à la fois, je suis encouragé. À la fois, j'ai envie de dire pardon, Seigneur, <laughs> pour toutes les fois où euh, je ne mm -hmm. me suis pas bien préparé. C'est tellement important de, de se préparer avant d'entrer dans le ministère, mais aussi euh, pendant, pendant qu'on est mm -hmm. dans le ministère. On a toujours besoin de se préparer et souvent on fonce et on peut aussi avancer avec des, des acquis. Et ça, c'est très dangereux mm -hmm. de, de, de marcher sur des acquis, de ne pas se renouveler dans la parole de Dieu, mm -hmm. dans, dans la communion, dans la, dans la prière. Et la Bible dit que il est maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Mmh. Donc, il y a vraiment une, une forme de malédiction quand on fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Je me souviens au début, euh, quand on avait à peu près 19-20 ans dans une groupe de jeunes, je faisais la louange euh, au début tout seul, après avec Gwen. Et souvent, je faisais des rêves où je n'étais pas préparé. Donc, on était là avec Gwen dans mes rêves, oh, en train d'essayer de trouver un chant. Et c'était horrible oh, la, la, la sensation clair. Et c'est Dieu qui me disait il faut que tu te prépares, mm -hmm. en fait. il faut que tu te prépares, à ne rien prendre à la légère. Mm -hmm. On a une petite exhortation de cinq minutes à, à faire euh, à l'église, dans, un, dans une maison où mm -hmm. euh, tout est important, oui. tout est important, est tout vrai. a une capacité de transformation de vie, mm -hmm. euh, une, une capacité de, que Dieu fasse quelque chose. Mm -hmm. Donc c'est pourquoi il est vraiment important de se préparer. C'est pourquoi moi j'ai envie de dire pardon, pardon <coughs> Seigneur, pour toutes les fois où on ne on se prépare pas. Mm -hmm. et, et pourtant c'est tellement important. Mm -hmm. Mm -hmm. Ben, moi, je me souviens, Jérémy, c'est ça, pendant un temps, à un moment donné, le... je, dans les bureaux. Je me demande en... ce qu'il va dire. Ouais, moi, j'ai peur. <laughs> ouais, voilà. je, je, ah, je me ah, demande ah. ce qui va sortir de ma bouche. Ah, ah. Mais dans, dans les bureaux, je me souviens quand l'appel de Dieu, Dieu t'appelait à être à temps plein et comment c'était dur de. Tu, finalement, de, la, la, le travail et tout ça, et finalement, tu as, tu as accepté de céder à cet appel. Mmh. Mais ce n'était pas chose facile. Mmh. Et là tu vivais des choses profondes en fait qui t'ont préparé à, à être dans le ministère à temps plein aujourd'hui. Mm -hmm. Des fois les gens ils regardent et disent mais, mais que, que, comment on peut arriver à là mais en fait c'est tout un processus. Mm -hmm. C'est ça. Pour ça l'apôtre Paul dit là dans, dans ce verset que j'ai lu occupe donne-toi tout entier à elle mm -hmm. afin que tes progrès soient évidents pour tous. Mm -hmm. Et là pour Jésus c'était la même chose, il grandissait en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Mm -hmm. Et on doit voir cette croissance, en fait, mm -hmm. et cette préparation. C'est ça. Tu vois, Frank, tu disais que Dieu révèle comme étape par étape, mais en fait... On peut résister à chaque étape, en fait. C'est ça, c'est pas juste une, une fois, c'est à chaque fois Dieu nous pousse à aller plus loin. Dieu veut élargir la vision, Dieu veut nous amener dans, dans une autre dimension, dans, dans un autre domaine, et il nous sort de notre zone de confort régulièrement. Et en fait, à chaque étape, on peut être en train de résister. Et à chaque fois qu'on se dit, ah ben bah là, c'est bon, là, je crois que c'est bon, j'y suis. Ça va bien, on va continuer comme ça. Il vient et il nous challenge à autre chose parce qu'il veut qu'on aille plus loin parce que son plan est, est grand, est beaucoup plus grand que ce qu'on peut voir, ce qu'on mmh. peut imaginer. Et c'est là où c'est important de toujours aller se soumettre en fait à la volonté de Dieu, toujours avoir ce réflexe de, de se soumettre et de chercher la face de Dieu, de savoir qu'est-ce que tu veux que je fasse, là où est-ce que tu veux m'emmener, est-ce que là où j'en suis c'est bon ou est-ce que tu veux m'emmener plus loin et Puis avoir ce, ce réflexe d'avoir ce cœur qui est disposé en permanence. Parce qu'on ne sait jamais quand Dieu va nous parler, quand ouais. Dieu va nous appeler, quand il va venir nous challenger. On ne le sait pas, ça vient comme ça d'un coup. Vaut mieux être prêt. Pour pouvoir avoir directement la bonne attitude, plutôt que quand Dieu va parler, rentrer dans toute cette phase où on va résister, où on va attendre, on va se dire est-ce que vraiment c'est bien ça Est-ce que si Est-ce que ça Il y a tout un combat de, de, de chair qui se passe à l'intérieur et c'est douloureux et on perd du temps finalement. Mmh. Donc je vous encourage à la maison à, à être prêt, à être prêt par rapport à quand Dieu va vous appeler ou si Dieu vous a déjà parlé et que vous avez résisté, vous pouvez encore faire demi-tour et lui dire oui, aujourd'hui même, c'est possible. Et on va regarder tout de suite le témoignage du pasteur. Dorothée Raja, vous allez voir qu'elle a eu une petite phase aussi où elle a résisté où elle n'a pas compris ce que Dieu voulait faire on voit aujourd'hui son ministère, on voit où elle en est, on se dit waouh c'est glorieux c'est fantastique, mais vous allez voir que ça n'a pas toujours été facile et puis Dieu l'a vraiment sorti plusieurs fois de sa zone de confort donc je vous laisse regarder dans la rubrique C'est mon histoire Et on se retrouve maintenant pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui j'ai le privilège et l'honneur d'être avec le pasteur Dorothée Radja. Bonjour pasteur Dorothée. Bonjour Evelyne. Vous allez bien aujourd'hui Ça va, merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation pour la rubrique C'est mon histoire. Mmh. On va s'introduire un petit peu dans votre vie aujourd'hui. Hein D'accord, avec plaisir. <laughs> vous aviez déjà fait un C'est mon histoire la dernière fois que oui, vous étiez venue. C'était une excellente émission que d'ailleurs je vous recommande vivement. Mmh. Et aujourd'hui Aujourd'hui, euh, nous allons plutôt parler de votre appel euh, à la prédication, votre appel pour être une prédicatrice, euh, ce chemin que vous avez dû parcourir. Oui, oui, oui c'est vrai, euh, c'est un chemin auquel je ne m'attendais pas. Oui. Hein. Je pense que quand Dieu nous appelle, souvent euh, on est surpris de ce que Dieu nous demande et Dieu a a des plans dans nos vies euh, et lui seul les connaît <laughs> exactement et quand il nous les révèle c'est pas toujours ce qu'on sait à quoi on n'est jamais prêt on n'est jamais prêt à ce que dieu nous demande et mm -hmm. puis je pense que c'est ce que dieu veut en fait parce que c'est le me meilleur moyen par lequel ben, finalement il va, il va nous construire il va nous façonner mm -hmm. et donc ce n'est pas un plan humain et c'est ça qui est important mais c'est finalement un plan le plan de dieu et, et puis ça nous garde humbles finalement parce oui. que on sait d'où on vient, on sait ce qu'on est capable et ce dont on n'est pas capable et on sait que si Dieu a pu faire quelque chose au travers de nous ben bah finalement c'est vraiment lui et c'est pas nous. Alors c'est c'est très bon pour euh, notre ego pour euh, voilà pour rester bien à notre place et laisser Dieu bien à sa place. Exactement, je me mm. souviens la dernière fois que vous étiez venu, vous m'aviez dit euh, Dieu ne partage pas sa gloire et ça oui. m'est resté, ça m'est ah. vraiment resté. Oui, oui, vous avez Absolument. et c'est exactement <laughs> ça, c'est vrai que Dieu nous appelle parfois justement euh, dans ces où, où on ne se sent pas forcément qualifié, pas à la hauteur et c'est pour nous garder humbles comme, Absolument. Euh, comme vous dites. Oui. Et vous euh, vous êtes né dans une famille chrétienne, vos parents étaient au Seigneur, né de nouveau, donc vous avez grandi ouais. Avec le Seigneur dans une belle famille. Voilà. Mes parents étaient, venaient d'être chrétiens, en oui. fait. Euh, donc, euh, moi, j'avais 4 ans quand mes parents ont été sauvés. D'accord. Et donc, j'ai commencé à aller à l'église à 4 ans. Et à 7 ans, euh, j'avais suffisamment entendu de choses à propos de Jésus pour euh, finalement faire un choix. Alors, c'est étonnant, hein, mais euh, ça peut parler aussi à, à tous les parents euh, qui ont des enfants et parfois on peut sous-estimer un petit peu tout ce qu'ils entendent, mais les enfants sont vraiment des récepteurs, mmh. euh, et ils écoutent, ils reçoivent. À 7 ans, j'avais compris un certain nombre de choses, en tout cas, qui m'ont donné euh, voilà, de, de, la, 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 la latitude de faire mes propres choix, et je suis allée simplement dans ma chambre, j'ai fermé à clé ma, la porte de ma chambre, c'est un, un souvenir très fort, et j'ai mis mes genoux par terre, et j'ai dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Wow. Et euh, c'est vrai que j'ai jamais eu besoin de refaire cette prière parce que c'était la prière officielle. Ça a été la prière par laquelle voilà le Seigneur est entré dans mon cœur, dans ma vie. C'est Il n'y a plus eu de doute. Euh c'était vraiment le jour de, de votre voilà, nouvelle naissance, à 7 ans. Absolument. Et de façon autonome, ça montre ouais, un vrai seul. attachement à Dieu. C'est beau quand ouais, même, ouais, vraiment. Oui. Et vous avez vécu des expériences avec le Seigneur assez, assez tôt quand même, hein, autour de l'âge de 11, 12 ans déjà, vous viviez voilà. des choses avec Dieu. Alors, c'est surtout que finalement, on ne connaît pas l'avenir. On euh, ne peut pas imaginer en fait qu'il peut y avoir un appel de Dieu sur notre vie. Mmh. Alors, quand il nous arrive effectivement des choses… Que Dieu se révèle de façon particulière, on se demande pourquoi. Et moi, effectivement, à 12 ans, j'ai eu une expérience avec le ciel qui m'a beaucoup marquée. Mm -hmm. Et puis, quelques années plus tard, euh, avec l'enfer. Oui. Et voilà, je me suis demandé pourquoi. Euh, Est-ce que c'était une grâce Est-ce que ça arrivait à tout le monde ou pas euh, je, je ne savais pas. En tout cas, c'était, ça a été pour moi une, comme des, une pierre, une pierre blanche que Dieu a déposée dans ma vie. Et puis. Aussi, je pense que lorsque l'on est appelé à servir Dieu, finalement, à plein temps, comme euh, je l'ai été, euh, c'est très, très important d'avoir finalement euh, ces deux pôles, euh, ces deux réalités spirituelles vraiment. qui sont bien ancrées à l'intérieur de soi et qui vont nous donner vraiment toute la force, toute la détermination pour euh, faire ce à quoi on est appelé. Et donc, cette révélation du ciel, cette révélation de l'enfer qui vous donne un peu le cap. C'est ça, ça vous a marqué un petit peu au oui. fer rouge, si, on veut, si oui. on veut bien. Parce que justement, ça vous a peut-être, comme vous dites, donné cette détermination pour ensuite répondre à cet appel que oui. Dieu avait mis sur votre vie, qui n'allait pas forcément être tout simple et tout rose. Oui. Donc, c'était une nécessité, certainement, ça faisait partie du plan de Dieu pour vous préparer. Hein. C'est vrai. Ouais, ouais. Et euh, vous, euh, arrivez à l'adolescence, en grandissant, euh, même arrivé jusqu'à l'âge de 17-18 ans, votre désir vraiment, vous vouliez être psychologue, thérapeute, vous vouliez vraiment euh, aider les autres de cette façon-là Voilà, moi j'avais envisagé ma vie, euh, je me voyais, j'avais une personne dans ma famille qui avait fait carrière. Euh... Dans ce domaine-là, dans, dans le, le domaine de la psychologie, psy, mmh. psychanalyse, etc. Et donc, voilà, j'avais des grands rêves à ce niveau-là. Je voulais faire des longues études. J'avais mon plan qui était bien ficelé euh, à partir de 14 ans, donc jusqu'à 18 ans, et euh, qui n'était pas du tout le plan de Dieu. <laughs> et c'est là qu'à 18 ans, en fait, Dieu m'a parlé. Puis vous savez, cette façon dont, quand Dieu vous parle, euh, vous savez que c'est Dieu. Oui. Vous savez que vous savez, et surtout vous place. savez que c'est Dieu, mm -hmm. quand vous savez que ce n'est pas du tout ce que vous aviez prévu, oui. et que vous n'avez aucune envie de faire ce que Dieu vous demande. C'est un bon signe en général. <laughs> voilà, sauf que quand à ce moment-là, euh, on ne s'en rend pas bien compte, oui. on, se, on se dit c'est quoi ce plan Et puis Dieu m'a dit trois choses mm -hmm. en fait. Il m'a dit, je veux que tu étudies ma parole, je veux que tu euh, apprennes l'anglais et je veux que tu saches comment voilà gérer une entreprise. Alors c'était vraiment loin de mes préoccupations. Bien sûr étudier la parole, ça faisait partie de mon univers et pourquoi pas mais après mes études mm -hmm. clairement après mes études finalement alors que c'était une priorité pour Dieu. Oui. Euh, apprendre l'anglais, l'anglais, je n'aimais pas du tout l'anglais, je parlais pas mon anglais. D'accord. Euh, au bac, j'ai pris l'espagnol, euh, voilà. Ok, oui. <laughs> Donc ça n'avait pas de sens du tout. Et puis gérer une entreprise, ça ne m'intéressait pas du tout parce que quand on en est plutôt orienté vers voilà, des pensées, la psychologie, mmh. l'âme, les choses comme ça, les réalités de l'économie d'entreprise, de la gestion et autres. Pff, vous êtes ça vous très loin de tout, tout, tout ça. Là, vous vous êtes dit que Dieu vous appelait à être justement une femme d'entreprise, peut-être quelque chose ah, comme je ça. n'ai rien dit du, du tout. tout. Okay. Je me suis dit, euh, j'ai pleuré, euh, j'ai dit, euh, j'ai eu du mal à abandonner mon plan. Mmh. J'ai versé beaucoup de larmes parce que ce chemin d'obéissance, parce qu'il faut dire ça, a été pour moi un chemin de sacrifice. Et, et donc j'ai dû vraiment déposer mon Isaac. Probablement, ça a été dans ma vie la, la première mort, parce qu'il y a des morts hein, oui, auxquels mort à soi, mort mmh. à soi-même, mmh. euh, par lequel on doit passer. Oui. Et ça a été voilà un chemin d'obéissance, une mort à moi-même. Mmh. J'ai pleuré des larmes, beaucoup de larmes, parce que aussi quand Dieu nous parle, nous montre quelque chose. En fait, quand Dieu nous parle, euh, il nous montre pas la suite. Oui. Et, et donc ce chemin d'obéissance sans voir et sans comprendre, mais ben, il est difficile. Il est difficile pour nous-mêmes, pour notre foi, pour euh, voilà, c'est difficile de, finalement de remettre nos, notre vie mm -hmm. entre les mains de quelque chose qu'on ne comprend pas, qui n'a pas de sens et qui a pour ma part duré cinq ans parce qu'à partir au moment de 18 ans à 23 ans, ça a été euh, voilà ces cinq ans par lesquels j'ai dû euh, me mettre à part pour étudier sa parole, mm -hmm. et puis après, euh, entrer dans des études. Okay. Et je l'ai fait avec une certaine... Euh, voilà, euh, entrer dans les pieds un peu, euh, complètement. <laughs> et je me rappelle, je c'était une, une école supérieure. J'ai dit, bon, euh, qu'est-ce qu'on apprend chez vous euh, est-ce qu'on peut apprendre l'anglais de façon un peu professionnelle Oui. Bon, est-ce qu'on peut apprendre les choses de l'entreprise, etc. Oui. Bon, ok, inscrivez-moi. Donc, c'était un <laughs> peu comme ça, euh, voilà. Voilà, il faut le faire. Est-ce que faire. vous avez essayé de, de résister au début Est-ce que vous avez dit oui tout de suite Ou il y a eu un moment euh, Est-ce que vous avez essayé de négocier J'ai pleuré trois jours. Trois jours, ok. J'ai pleuré trois jours. Trois jours où j'ai l'impression que j'ai suis... déambulé dans la maison de mes parents comme un fantôme, mm -hmm. sans maquillage, sans rien, plus de vie, quoi. Seigneur et pour finalement bon abdiquer oui. et dire bon ben voilà je vais le faire alors que finalement euh, Dieu m'avait parlé mais je n'avais pas entendu une voix tonitruante mm -hmm. euh, mais c'était une certitude à l'intérieur de moi donc c'était vraiment un, un pas de foi mm -hmm. et, et voilà donc euh, j'ai pleuré trois jours j'ai essuyé les mes larmes j'ai dit ok je vais le faire waouh mais ouais, euh, démarche d'obéissance je n'ai pas compris pendant cinq ans c'est long, 5 ans, quand ça, même. C'est long, oui. Et pendant 5 ans, et à la fin de, de, de mes études, mon diplôme, etc., j'ai oui. dit Bon, ben, bah, Seigneur, on fait quoi what's, oui. what's next C'est sûr. Qu'est-ce qui se passe après, quoi. Mm -hmm. Et je me suis dit Bon, ben, bah, voilà, maintenant, je vais, je vais reprendre ma vie en main. J'ai fait Voilà, je vais retourner euh, dans des études de psy parce que. Je, je, ça n'a pas de sens. Ok, d'accord, vous étiez prête à reprendre les, les études en psychologie. Qu'est-ce que j'allais faire de ce bagage C'est sûr, parce que vous ne vous voyez pas du pas tout travailler en entreprise. Moi, je ne mm -hmm. connaissais personne d'anglophone, mm -hmm. l'anglais ne faisait pas partie de ma vie dans, là où j'étais, là où j'habitais, etc. Donc ce plan n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens mm -hmm. jusqu'à ce que ça ait du sens. Ça. Et jusqu'à ce, qu <laughs> et et passé jusqu ce pour que, que ça prenne du sens. tout son sens. Mm -hmm. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé quelque chose. C'est que six mois après que j'ai mon diplôme, etc., où finalement, je ne savais pas trop euh, où, où je campais, Oui. Euh, j'ai travaillé avec ma mère euh, dans, dans sa maison d'édition parce que voilà, je, je cherchais un peu ma direction. Mm -hmm. Et puis là, Dieu m'a dit, en fait, euh, voilà, c'est ton mari. Dieu m'a montré euh, cet homme, cet homme de Dieu pour lequel j'avais euh, beaucoup de respect. Mm -hmm. euh, et euh, ça a été un choc. Ça a été un choc. Euh, une surprise, okay. auquel je ne m'attendais pas, Dieu m'a dit, c'est ton mari. Et c'était évidemment un homme qui était déjà dans le ministère, mm -hmm. qui était expérimenté dans le ministère, qui s'appelle donc le, le pasteur Selvaraj Rajia. Mm -hmm. Et euh, là, euh, d'un seul coup, euh, tout a pris son sens mm -hmm. parce que euh, j'avais besoin de connaître la parole de Dieu. Et heureusement que j'avais étudié la parole Vraiment de Dieu Parce que c'était un homme expérimenté dans mm -hmm. la parole et que ça aurait été vraiment difficile pour moi euh, de ne pas avoir développé une certaine... Euh, connaissance et maturité mm -hmm. et puis aussi parce qu'il était anglophone et, oui. <laughs> et qu'on a parlé 18 ans à la maison ensemble euh, dans notre vie au quotidien et qu'il était anglophone et qu'il fallait que je parle anglais absolument une nécessité oh mon dieu <laughs> et puis aussi parce que le, le ministère finalement demande et bien sûr des, des, des compétences et, et une compréhension de, de, de la gestion de, de, de toutes ces choses pratiques finalement Mais qui vraiment. font le ministère que, c'est nécessaire, ouais. Donc là, <laughs> tout à coup, vos yeux sont ouverts et ouais. vous avez compris. Hein. Ouais. Et euh, Et euh, plus tard, en fait, il y a eu cet appel aussi euh, à la prédication qui est venue. Et ça, vous ne vous attendiez Alors, pas forcément. Ce n'est bon. pas vraiment plus tard, okay. mais ça a été dans ces cinq ans. Dans ces cinq ans, d'accord. En fait, je, Dieu m'a parlé à 18 ans et j'ai voilà, commencé à suivre les directives. Mm -hmm. Et euh, à 20 ans, oui. Dieu m'a appelé à prêcher, à mm -hmm. 20 ans. Donc euh, là, ça a été un choc pour moi aussi. Parce que je n'étais pas du tout, du tout d'accord avec cela. Euh, J'étais la personne qui refusait de répondre aux professeurs à l'école. Il était hors de question. J'étais tout à fait extraverti. Hein. Mm -hmm. Je n'étais pas une personne introvertie. J'étais tout à fait libre, heureuse, très épanouie, bien dans ma peau, etc. Mais quand il s'agissait de parler en public, c'était niette. C'est ça. Ça, vous n'igniez pas du tout. Non, non. Alors. Euh... Pas du tout. Donc, aucun professeur n'avait rien pu tirer de moi parce que c'était juste non. Et quand Dieu m'a appelé à prêcher, euh, donc je lui ai dit non, <laughs> comme, comme j'avais l'habitude de faire au professeur. <laughs> j'ai été très catégorique, j'ai dit non. Mm -hmm. Mais euh, trois fois, euh, trois fois j'ai dit non. Et trois fois, quand j'ai dit non, j'ai eu une expérience euh, voilà, que je ne pouvais pas euh, finalement. Euh, euh, c'est que trois fois j'avais de l'électricité qui venait sur mes lèvres. Oh. Alors à l'époque je ne savais pas ce que ça voulait dire, je ne savais pas ce que c'était, mais je savais bien que c'était quelque chose d'inhabituel. Mm -hmm. Et quand je disais non que je ne voulais pas, euh, en fait j'étais invitée, euh, pff, vraiment je ne vois pas qui et comment et pourquoi on a bien pu euh, m'inviter à prêcher dans une conférence à l'âge de 20 ans, euh, sans expérience ni rien. C'est que c'est Et la, la personne était insistante. Et trois fois, j'ai dit non. Et à chaque fois que je disais non, j'avais l'électricité sur mes lèvres. Donc finalement, je me suis dit, bon, je suis en train de désobéir à Dieu. Mm -hmm. J'ai des signes, que, euh, voilà. Et donc, j'ai finalement dit oui. <laughs> Et comment ça s'est passé cette première fois J'ai dit oui, ça a mm -hmm. été pour moi euh, un sacré, le, le sacrifice ultime mm -hmm. où j'ai dû vraiment mettre ma confiance en, en Dieu, dire mais qu'est-ce que tu me fais je, je veux pas ça, et puis euh, j'y suis allée quand même en réunissant tout mon courage, etc. Et, et puis j'ai étonnamment, <laughs> et c'est là que ça ne peut être que Dieu, euh, quand j'ai pris le micro, euh, je, je n'ai pas vu ce qui s'est passé et j'ai apporté finalement un message qui était pour le coup dès le premier euh, très puissant et qui a duré une heure et demie. J'ai rendu mon micro. Je, je, voilà, je, je n'avais aucune conscience de ce qui s'était passé. Fou. Une heure et demie, première prédication, ouais, et ouais. vous êtes toute jeune quand même. 20, extraordinaire. 20, 20 ans, 20 ans aucune euh, expérience. Fou. Et là, vous avez Mais, vu que l'appel était sur votre vie Oui, 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 tout est à fait. C'est indéniable. Hein. Oui, c'était voilà, vraiment pas ce que je souhaitais. Mais donc j'ai dû aussi, là aussi, ben, finalement, obéir. Hein. C'est ça, exactement. Finalement, euh, vous avez essayé de négocier, de résister, mais ça n'a ça rien donné parce non. que l'appel était là. Ouais. Quand Dieu appel, euh, au bout d'un moment, on doit, on doit lâcher prise, en fait. Oui, 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 ouais, tout à fait. Et puis bon, on se doit d'obéir à Dieu. Hein. Exactement. C'est important. C'est une nécessité, ouais. tout à fait. Ouais. Et puis, euh, donc, c'est ça, vous avez rencontré votre mari, vous mmh. vous êtes euh, mariée, et vous avez commencé un ministère qui n'était pas en plus uniquement en France, mais qui était un ministère clairement international. Oui. Vous avez fait énormément de missions à l'étranger, particulièrement oui. en Inde, en Afrique, et oui. un peu partout, aux quatre coins du monde, en fait. Oui, 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 c'est vrai que, ben, effectivement, j'ai eu l'opportunité de prêcher dans, dans de no nombreux nombre pays du monde, et euh, aux États-Unis, euh, en Angleterre. Euh, dans des pays anglophones, dans des pays francophones. Bah, en Inde, voilà, il faut parler anglais. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, tout cela euh, a pris un sens. Vraiment ouais. L'anglais était, euh, était nécessaire non mm. seulement pour votre mari, mais pour votre appel aussi. Ouais. Et la connaissance de la parole de Dieu euh, aussi. Ouais. Et à quel moment vous avez euh, commencé, euh, commencé l'Église pour justement mettre euh, au profit ces, ces talents euh, de gestionnaire Eh ben, écoutez, euh, mon mari avait déjà euh, commencé l'Église. Euh, donc, je me suis greffée à, à, à l'œuvre de Dieu et, et, et à son ministère. Et puis, voilà, pour prendre ma place petit à petit, et puis euh, comprendre que finalement, il avait aussi besoin de soutien et d'aide dans ce domaine-là. Et puis, euh, oui, aujourd jusqu'à aujourd'hui, de toute façon, le ministère demande de la gestion. Et, oui. Ouais. C'était vraiment, vraiment nécessaire, d'autant mmh. plus qu'il y a eu cet événement quand même où votre mari euh, ouais. est parti. Donc vous ouais. avez dû euh, gérer ça toute seule. Ouais. C'était vraiment important que vous soyez autonome et formée et, ouais. et équipée finalement. Je pense que là vous l'avez vu encore plus. Oui, oui bah, c'est vrai que ça fait toute une différence quand on passe euh, de deux à un. Mais oui, vraiment. <laughs> euh, et ça a été euh, mon cas. Et, euh, mais bon, la grâce de Dieu euh, qui a été là aussi. Je pense que dans l'obéissance à Dieu et dans le chemin de Dieu, la mmh. grâce de Dieu est là. Mmh. Et, et j'ai vu sa grâce parce que ce, qui, ce que j'ai pu faire au travers de, de ce départ, mmh. euh, j'ai vu sa grâce vraiment se manifester. Et sans sa grâce, je, je, je n'y serais pas arrivée. Oui. C'est sûr. Hein. Tout ce que l'on est, on l'est on par la grâce Amen. de Dieu. Et tout ce que l'on a. Vous savez, j ai, j ai, je, je dis souvent cela. Euh, tout ce que j'ai, euh, et, et, et tout ce que je fais c'est par la grâce de Dieu mmh. et je, je m'en souviens euh, continuellement, vous avez raison. on sait d'où on part vous savez euh, personnellement je pense que dans ma vie, dans mon ministère euh, j'espère je, et je le dis humblement je, je, je n'ai pas de fierté et je n'ai pas d'orgueil, alors c'est pas à moi de le dire, hein, c'est probablement aux gens qui me connaissent et qui m'entourent mais euh, je pense pas avoir euh, de fierté, d'orgueil ou d'arrogance parce que je, je sais d'où je viens mmh. et je sais ce que Dieu m'a demandé et donc finalement euh, voilà on, on reste très simple. Je me rappelle euh, au début euh, dans ma vie euh, dans le ministère, c'était pas toujours facile. Il peut y avoir des frustrations, on n'est pas toujours ce que l'on voudrait être, euh, on n'est pas toujours, on se sent pas toujours à la hauteur. Mmh. Et, et ma mère a été de bons conseils. Puis c'est important de s'entourer de gens qui sont de bons conseils. Oui. Et au début vraiment de l'appel de Dieu, ma mère m'a donné un conseil. Que j'ai gardé. Et elle m'a dit euh, voilà, ma fille, euh, il, il faut euh, de l'humilité et de la simplicité. Mmh. Et si tu marches dans l'humilité et la simplicité, Dieu fera le reste. Amen. Et, et j'ai gardé ce, ce conseil. Et puis, particulièrement lorsque l'on est une femme, et je pense qu'il y a beaucoup d'auditrices qui nous regardent, mmh. beaucoup de femmes aussi qui sont appelées au ministère et, et à qui Dieu a demandé des choses. Et j'aimerais leur dire je pense que la clé de ma vie, de mon appel, de mon ministère repose sur l'humilité et la simplicité. Et j'aimerais vous dire, mesdames, surtout dans parfois dans des pays, dans des nations dans lesquelles les, le ministère de la femme est, est combattu, euh, votre votre défense, votre appel ne va pas être la revendication, surtout pas. Ça n'a jamais été le cas dans ma vie. Je n'ai jamais revendiqué rien du tout. Je n'ai jamais cherché à être et cherché à prouver. Et je vous dis vraiment l'importance de ne, de ne pas prouver quoi que ce soit, mais simplement d'être dans toute l'humilité et la simplicité. Et puis finalement, c'est l'appel de Dieu qui doit parler, c'est l'onction sur votre vie qui doit faire la différence. Et ça, l'onction, on ne peut pas la fabriquer. Oui. On ne peut pas euh, voilà, le, la créer. Mmh. C'est sur votre vie oui. et c'est lié à votre appel. Oui. Et on en voit les fruits. Et oui, je peux témoigner d'une grande humilité. Je <laughs> ne vous connais pas énormément, mais oui. quand vous êtes ici, on s'en rend compte. Vrai. Et, et on est Merci. vraiment très, très honoré de, de vous avoir avec nous. Merci d'être venu nous partager Merci, une bien. petite bribe de Merci votre vous. vie, oui. qui était vraiment encourageante, je pense, pour les personnes à la maison, ceux qui ont peut-être reçu un appel et qui ont Merci. tenté de, de résister, de voir les fruits oui. de l'obéissance et merci pour la francophonie d'avoir obéi à cette parole de Dieu merci, parce que oui. vous faites beaucoup de bien à la francophonie à Dieu tant mieux <rire> <rire> Merci d'être venu Pasteur Dorothée donc un témoignage parmi tant d'autres parce qu'on a des hommes, des femmes de Dieu qui viennent nous voir à MCITV et puis on voit que chaque histoire est différente, mais chaque personne a un moment ou un autre de dire oui à l'appel, dire oui à Dieu et puis on l'a tous fait être ici sur ce plateau. Ben, on a dû dire oui à Dieu. Mmh. Nadine, tu t'es levée <laughs> ce matin très tôt <laughs> et tu as dit oui à Dieu Amen. pour être ici sur ce plateau et à chaque fois en fait euh, on l'a fait et puis on voit que c'est le début, c'est le début pour entrer dans, dans le ministère. C'est le début, c'est de dire oui à Dieu. Et vraiment à la maison, je veux vraiment vous encourager à oser dire oui à Dieu. Repentez-vous si vous avez résisté. Repentez-vous même si vous lui avez dit non. Et croyez que Dieu est bon, il est fidèle et qui se repent pas de son appel. Donc si vous a appelé, vous êtes encore appelé aujourd'hui, même si vous voyez pas encore les fruits. Soyez encouragés, fortifiés. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci à vous tous pour cette émission. On se retrouve lundi et bonjour chez vous.